Thank you.
grâce à l'Esprit Saint. Amen. Que vos étoiles mettent là avec nous tous. Et avec vous même tous. Son Excellence, Monseigneur Marie-Eglandas Toussaint, évêque du diocèse de Jacmel, Père, Monseigneur Sauveur Condant, vicaire général du diocèse de Jacmel, Père Altidore Jean-Baptiste, vicaire de la paroisse, chers confrères dans le sacerdoce, les religieuses et religieux, Monsieur le maire de la ville de Jacmel, les autorités civiles, politiques, judiciaires et policières, les Kazek et Azek de la Bano, Monsieur le sénateur Joseph Lambert, Monsieur le sénateur Jean-Renaud, Jean-Paul, les pèlerins et les invités venus de partout, le comité liturgique et les fidèles de la paroisse, frères et sœurs bien-aimés, bonjour et bonne fête. Ce matin, nous sommes tous là dans la synodalité pour prier Dieu et lui rendre grâce pour ses bienfaits dans notre vie. Nous disons merci au Seigneur. Du même coup, nous sommes très contents et reconnaissants en ce grand jour pour accueillir notre évêque qui accepte très volontiers de venir une fois de plus à La Vanneau pour célébrer et fêter avec nous la fête de notre patron, Saint-Antoine le Padre. Merci, Monseigneur, pour votre amour pour la paroisse de La Vanneau et pour tout le peuple de Dieu dans le diocèse de Jacmel. Mille merci, Monseigneur. Alors, c'est dans nom de tout paroissien, au comité liturgique, à Béatido, à moi-même, que nous coupons nos biens bas pour nous recevoir la paroisse là comme pasteur. Bienvenue, Monseigneur Marie-Glandas, à Mitanou, ou la Caillou, et bienvenue tout à tout le monde. Radio Efata, notre métier qui là, les réseaux sociaux, qui permettent que le monde dans le diocèse là, à l'étranger, vive avec nous la messe là. C'est pour bon Dieu la vie et de la grâce sur nous toutes, à la ronde badette, par l'entremise patron nous, Antoine Dissin. Bonne célébration pour nous toutes. Merci. Mon Dieu, Père Robson, merci pour belles petites paroles prononcées envers pauvres personnes. Maxime Yo, avant notre épiphone dans la célébration, Monseigneur Balbéni, siège, présidence dans la messe là, dans chaque la messe qui va venir, parce que siège ça y est, faites, préparer, et pour être capable de commencer la célébration, on va procéder à bénédiction, siège ça. Aujourd'hui, ce nouveau siège est destiné à l'usage liturgique. Louant le Christ notre Seigneur, d'ailleurs, être présent dans la personne de ses ministres, dans les actions sacrées, par eux, l'enseigne, qu'il dirige, il sanctifie le fidèle, louons-le, le rendre toujours plus digne ceux qui ont la charge de ministère aussi saint. Prions-le, Seigneur. Nous glorifions ton nom d'une seule voix, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu en bon pasteur pour rassembler d'un seul bercail ton troupeau dispersé. Nous te supplions humblement que ceux que tu as choisis au service de la vérité, agis par eux pour nourrir tes fidèles et les garder sous ta conduite, pour que le troupeau de ces pasteurs ait le bonheur d'entrer un jour dans le pâturage éternel. Quoi qu'il règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et Frère Maxime, Kounia, en nous demandant, bon Dieu, pardon, miséricorde en faveur nous-mêmes pour tout péché nous fait, pour toute erreur, pour toute bêtise nous capables de commettre dans la vie. Par l'entremise de l'Esprit Saint, vous demandez, bon Dieu, pour le faire nous grâce, pour le pardonner péché, nous, en tant que chanté, chant qui préparait pour nous.
capables de procéder à l'aspersion. Thank you.
puisse à nous fasse miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.